Eh bien, salut tout le monde, c'est MrBboy45. Comment allez-vous, les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve accompagné de Monsieur Dark Funeral pour cet épisode 30. Comment il va, celui-ci? Eh bien, celui-ci va bien. Et vous, comment allez-vous? Bah, ça va très très bien. Épisode 30 déjà. Mine de rien, attends, on a fait très peu de let's play avec 30 épisodes ou plus, voire aucun en vrai, non? Non, parce que soit les jeux étaient pourris. Ou soit ils étaient trop courts et on n'avait pas le temps. Juste trop court, hein, tout simplement. Non, on a déjà fait un let's play pourri d'un jeu pourri en vrai. Vraiment. Bon, c'était pas pourri parce qu'on s'amuse toujours. Ouais. Et c'était pourri parce que le jeu était pourri. Genre, tu sais. Genre quoi? Daisy, les trucs de survivants, là, on avait fait un jeu qui était vraiment pas fou. Ouais, mais on rigolait. Ouais, bon, alors là, monsieur, on rigolait. Mais le jeu était pas fou. On parce rigolait. Que monsieur B-Boy, rappelez-vous, je tiens à dire aux gens qui ne suivent pas les streams, qui ratent énormément de choses. Bien sûr. Donc twitch.tv, sachez que c'est B-Boy 45. Bien sûr. Quand on reparlait en stream de tard l'époque, bien sûr. Avec la Gamers Anarchy, tout ça, je me suis refait des anciennes vidéos. Et qu'est-ce qu'on était cons. Mais qu'est-ce que c'était drôle. On était si cons que ça. En fait, on avait moins de limites dans l'humour. Ah bah oui, mais bon, c'est ce qui a créé nos limites, sans être non plus hardcore, tu oui, vois. Oui, mais c'est ce qui a créé nos limites. C'est que là, pour le coup, on a vraiment plus le droit de rien dire. Hein. C'est ça, et le truc, c'est que je pense qu'on... Putain, t'as vu là, ce qu'il y a? Oui, le bâtiment du Greux. Une grosse bâche. On l'a jamais quand même fait. Beaucoup moins la tête. Celui-là? Ouais. Bah, c'est simple, faut voir si on l'a déjà fait. Bah non. Bah attends, mais viens, on dort juste à côté. Hop, on est reparti au lit. Hop, c'est parti. Mais oui, on se prenait beaucoup moins la tête, on était beaucoup plus, comment on peut appeler ça... Je sais pas, mais on était vraiment au tac au tac, des fois on sortait des trucs, mais je disais, mais comment on sort ça, comme ça, tu vois, genre... Oui, non mais je vois, maintenant, après, c'est différent, c'est une époque différente, de toute façon... Humour différent, bien entendu. Humour différent, plus... évidemment, et surtout époque différente, mais qui dit époque différente dit obligatoirement humour différent, parce qu'il y a des choses qu'on se permettait de dire avant, mais avant c'était normal, et là on ne peut plus les dire. Alors, des fois, c'est pas plus mal, c'est même très très bien comme ça, mais des fois, c'est grave, en fait, on a même le droit de dire, ou de blaguer sur certains trucs banals, presque. Parce que justement, toute blague est censée être bonne à prendre. Évidemment, il y a des limites comme partout. Si tu blagues sur un truc qui vient de se passer il y a littéralement une minute, bon, t'es un forceur. Voilà, mais voilà, je pense que t'as compris, les gens ont compris aussi. Oui. Mais c'est vrai que. Mais pareil, genre par exemple, on se faisait moins chier avec tout ce qui était copyright, par exemple. Ah, c'est embêtant, je suis en poursuite. Ah, ça va. Mais attends, ils peuvent aller dans l'eau? Non. Non, ils sont pas très friands de la nage. Ok. Je me fais sûrement tabasse la gueule. Genre, ça faisait moins chier avec les copyrights et tout, ça balançait des droits d'auteur dans tous les sens. Ouais, on en avait rien à péter. Après, si tu te souviens, il y a des trucs qui nous avaient mis un peu en sueur. Hein. Il y a des trucs qui nous avaient mis en sueur. Moi, c'était Hitman, hein, ça m'avait mis fortement en sueur. Oui, bah, là, t'avais abusé. Là, j'avais acheté le jeu. Vraiment déconné. Oui, mais. Je suis sorti embargo. Peu importe. T'étais quelqu'un. Alors, ça veut pas dire que là, t'es personne, évidemment, mais t'as compris le truc. Oui, t'étais quelqu'un dans le sens où t'étais influent, t'aurais dû montrer le bon exemple, et pour le coup, tu le sais très bien. Et t'as mis d'ailleurs dans la sauce quelques personnes aussi. Oui. Ils ont eu très très chaud. Très très chaud pour leur boulot, c'est vrai. Mais le truc, c'est que, en fait, c'était un quiproquo général. Non, tu le savais très bien. Non, je te jure que non. T'as juste de l'avance. Non, parce qu'en fait, en gros. Tiens, viens. Les hautes instances pensaient que j'avais reçu le jeu de leur part, alors que pas du tout. Alors que, vu que j'avais acheté. J'ai prouvé que je l'avais acheté, c'est après qu'ils m'ont gracié en mode « Ok, c'est pas de ta faute et c'est pas de la faute du mec de Square. » Ouais, mais t'aurais dû respecter l'embargo. Voilà, tu sais, maintenant... N'ayant pas d'embargo, je peux pas savoir. Pour moi, le jeu est disponible à la vente, on peut télécharger en plus les codes. Et oui. Fufu. À la limite, quand j'ai stream Mass Effect 3 3 semaines en avance, là oui. J'ai compris pourquoi je m'étais fait ban de Twitch. Oui, j'avais stream Mass Effect 3 semaines en avant, j'avais téléchargé une version piratée sur Xbox 360 piratée, oui, j'ai pas honte de le dire, oui, j'ai pas honte. Ah, monsieur, moi je ne parle pas de piratage, de toute façon, en vrai, je ne pirate rien. Les frérot, là, vraiment, c'est pas une blague, hein. Et d'ailleurs, depuis qu'il y a Netflix, c'est tout fini, hein. Vous pouvez participer dans les commentaires, hein, donner votre avis. Je vous le dis très honnêtement, je n'ai pas téléchargé de film depuis des siècles et des siècles. Amen. Pareil. Je n'ai pas téléchargé de jeu illégal. Je ne savais même pas que c'était encore faisable. C'est pas une blague. Vraiment, c'est pas une blague.
Bah tiens, le truc c'est que depuis qu'il y a Netflix et tout, bah moi je ne télécharge plus de films. Et surtout que maintenant on est habitué, on va pas mentir, on est vieux aussi, on est habitué à une certaine qualité. Moi quand je vois un truc avec des pixels qui bavent, j'ai pas envie d'en regarder, tu vois. Genre quand les trucs sont filmés au cinéma, quand j'avais 10 ans c'était cool, mais là non, I can't. Moi faut qu'il y ait un minimum de qualité. Ouais, il nous casse la gueule. Ouais, c'est clair. Tu t'es fait des molotov ? Fais ton truc qui tournoie là-dedans, là. Oui, c'est vrai, attends, je me fais des molotov, là. Je peux en faire un max. Vache. Bah lui, il a décidé de m'attraper en plein retourné acrobatique. Lala, putain, c'est chiant, ils sont trop, frère. En vrai, je comprends pas pourquoi mon katana légendaire ne les one-shot pas. Bah parce que ils ont voulu rendre l'aspect très RPG, donc il y a les dégâts localisés mais que pour le dernier coup, tu vois ce que je veux dire. Ouais mais putain, j'ai un katana légendaire tu vois alors. Regarde le boss qu'on avait fait lors de la dernière vidéo, tu te souviens là, de la sorcière qui racontait sa vie. Oui. Bah c'est con hein, mais c'était le boss le plus dur qu'on ait affronté, alors que c'est une... Quoi? C'est une quête. Ah mais tu sais pourquoi on galère? Tu es mort? Pourquoi? Bah en fait on est en poursuite. Et donc les zombies... Non, mais quoi, poursuite, c'était poursuite terminée. Ah oui, mais moi, ça continue, moi. Ah! Moi, je suis au niveau 2, là, j'ai pas tardé à passer niveau 3. Recule, ferme la porte au pire. Bah, je peux pas aller ouverte. Non, bah, descends, l'escalier, ils vont pas te follow. Barre-toi, monte, descends, tranquille, soigne-toi. En fait, les trucs qui viennent, là, c'est des trucs de poursuite. Mais c'est pas normal, non, ça peut pas pop, frérot. Écoutez, 500 heures. Oui, mais ça peut pas pop, j'y crois pas. Bah écoute, là pour moi c'est les zombies poursuiveurs, ils sont en train de me sprinter à la gueule. Ah, poursuite terminée, c'est bon. Mais ça casse les couilles, frère, je veux pas le prendre. Putain, ça commence déjà. J'ai pas un soin, c'est terrible hein. T'as pas un soin? Mais faut les crafter, frérot. Bah j'ai pas de pavot. De pavot? Ouais, il me faut des pavots. Oh, ouais, je peux pas sauter vers toi, putain, c'est hyper angoissant ce jeu. Toi, t'es le seul qui peut se TP vers moi, mais moi je n'ai pas le droit, c'est illégal. Non, c'est interdit. J'ai le droit de me TP à l'autre, mais l'autre ne peut pas se TP à moi. Vas-y, essaye de te débarrasser du plus possible. Ouais, alors attends, je suis en train... C'est bon, j'ai des bandages. Oh, je sens qu'on va galérer celui-là, mais bon, on va se faire captinib. On modifiera quoi, santé encore ou... Oh, santé. Je pense que la santé, c'est une bonne chose. On commence en vrai, à prendre niveau endurance, on est bien, on a 3 barres, donc 3 barres et demi. Ah oui, on est dans notre 3 belles barres, là. On a 3 barres et demi, mais moi j'ose pas trop regarder mes vidéos d'avant. Est-ce que tu veux rigoler? Parce que on disait vraiment des dingueries des fois. Vas-y, dis-moi. Non, c'était pas des dingueries, genre c'est pas des dingueries horribles. Si, hein, c'est des... si, pour... ouais, mais pour maintenant, vraiment, je te jure qu'on disait des dingueries. Bon, il y a des fois... Voilà. Et on lâchait des mots qui maintenant sont interdits à juste cause, c'est pas le problème. Mais avant, on s'appelait comme ça, limite, quand tu rentrais, quand tu voyais tes potes, tu vois. Oui. Donc, je vois ce que le mot que vous voulez dire. Bah bien sûr, comme... mais non, mais ça j'avais déjà parlé plein de fois en live, twitch.tv/mrbigboy45, et à l'époque, quand on disait bonjour, c'était comme ça, et c'était rien de péjoratif, évidemment, c'était tout le monde en fait, tu vois, disait ça. Mais chose que maintenant, totalement banni évidemment de la plupart des plateformes ou autres. C'est exactement ce que je disais, j'aimerais en avoir le débat entre guillemets sur YouTube. C'est comme maintenant, on lâche grave facilement le mot gros. Ouais, je gros, oui. Bien, tu vois, ouais, ça va gros, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais les gars, le jour où il va y avoir une dinguerie, une association anti-grossophobe qui va faire en sorte que le mot gros devienne très préjoratif, voire, non, tu ne peux plus dire, un mot ban, bah, on va tous pleurer, en fait, hein, vraiment, hein. Et ça, c'est ce que je dis, ça va vite, en fait, tu vois. Ouais. De toute façon, les... C'est les modes, hein, c'est les choses, épaules. À trop vouloir. Et le problème, c'est que ça crée encore plus de cases, alors qu'on essaie justement de regrouper les gens en mode, voilà, mais le problème, c'est que... C'est trop long à tuer, du coup. Ouais, pourtant, j'ai un katana légendaire, hein. Bah, j'ai une massue légendaire. Et j'ai l'impression que mon katana légendaire il faut pas triper. Bah tiens, lui il voulait te sauter dessus. Il s'est fait sauter. Mais c'est. Ils viennent à l'infini ou quoi les gars? Oh! Vous étiez combien à votre étage? C'est pas possible! Problème! Je sais pas, y'a un mec il a défait, il a dit oh t'as mis les zombies! Il a cliqué, il a fait il a poussé les murs sur Age of Empire, tu sais, il a maintenu le clic, il a fait clic. Mais pourquoi? Mais d'où tu cours? Ça m'a empêché mon animation. Oh la catastrophe du jeu. Je suis désolé, ce jeu est catastrophique. Non mais maintenant on est à l'épisode 30, on va arrêter de faire exprès. Les gars, ce jeu est catastrophique, on le dit. Il est pas mauvais,
Mais il est pas bon, mais il est pas bon, mais non, mais c'est joue pas... au golf avec un putain de zombie, la putain mais se relève. C'est pas un mauvais jeu, bah, maintenant, bah, tu sais quoi, je suis à épisode 30, je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent, d'accord? Parce que maintenant, faut quand même dire les vérités, le jeu est pas mauvais, on passe un bon moment, aussi surtout parce que t'es là, frère, mais on passe un bon moment et tout, mais le jeu n'est pas bon, les gars, vraiment, c'est un mauvais jeu de zombie, je suis désolé. Dead Island était mieux. Ah ouais, Dead Island. Sauf que Dead premier. Island... Ouais, mais Dead Island a 10 ans, mon ref. Ouais, donc c'est triste. Inquiétant, tu vois. Et des fois, j'ai l'impression que ce jeu a aussi 10 ans, quoi. Oui, dans certaines mécaniques, bah, c'est ce que tu disais plusieurs fois, hein, c'est des vieilles mécaniques, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, là, j'ai une hache légendaire. Le mec, je lui ai mis 2 coups, 3 coups, 4 coups. Ils veulent donner l'aspect. Mais ils veulent donner l'aspect RPG et donc. Bah, l'aspect. Comment on appelle ça? C'est insupportable. Oui, avec les dégâts et tout, parce que là on les voit pas les dégâts. Et donc le côté 500 heures de jeu, le fameux, hein, qui a fait très très grand débat. Mais malheureusement, c'est pas. Non, c'est pas ça. Alors moi j'ai un problème avec les light RPG. Moi j'ai un énorme problème avec les jeux qui veulent absolument faire du light RPG. Tu sais, en voulant faire des dégâts, des trucs, des machins. Parce que ça gonfle une durée de vie, hein, indirectement aussi. Hein. Ouais, mais tu vois, par exemple, quand t'as une hache légendaire que tu mets ça dans la tête d'un n'importe quoi, ça le coupe en deux le bordel, et que tu dois mettre 5 coups à un zombie pour le tuer... En fait, c'est un jeu de zombie. Si c'est pas défoulant, si c'est pas drôle, si t'as pas la sensation de démembrement, tout ça, mais appuyé limite dans l'abus comme un Dead Rising, le fun obligatoirement ne sera pas là. C'est tout. Bah, et là, vous allez me dire, oui, mais B-Boy, t'abuses, il y a des armes qui sont incroyables, mes couilles. Je suis d'accord avec vous, les gars. Mais il faut combien d'heures de jeu pour avoir ces... Il faut aller fouiller quelle maison, par quel hasard, quelle est la quête secondaire sur les 500 heures explorables dans le jeu pour l'avoir. Mais sur ça, on se comprend. On se comprend pour le coup, je suis désolé, hein, mais en termes de défouloir zombie, si vous voulez un défouloir, jouez à Killing Floor 2, vous allez voir, vous avez un katana. Vous non, coupez une jambe, la jambe elle s'en va, vous coupez la Dead tête, Rising, la tête elle s'en va. Ouais, Dead Rising putain. Bah non, mais vous ressortez Dead Rising 2 et 3, vous le faites avec un pote, vous ressortez... T'as pris 18h ici ? Les gars, je l'ai ressorti en live, twitch.tv/MrBboy45, j'ai refait avec la bande, j'ai refait Dead Island 1, frère. Alors, le jeu est old, mais honnêtement, putain que c'est bon. Et sur PC, tu mets des star shows, hein. Tu mets des patates, tu découpes, C'est bon, voilà. C'est juste, tu restes en mode, ah putain, c'est bon. Et c'est les mêmes créateurs, hein. C'est ça le truc, entre guillemets, tu vois. C'est les mêmes créateurs, hein. Mais voilà. Moi, je trouve qu'on met trop de temps à tuer un zombie, et ça, moi, c'est chiant. Mais parce qu'on n'a pas les bonnes armes. Et c'est surtout... ce que les gens me diront. Je préchote tous les commentaires. Ouais. Je les connais par cœur, maintenant. Ok. Vous avez pas les bonnes armes. Moi, j'ai joué 300 heures au jeu, vous avez les bonnes armes. Et ouais. Aussi, un truc aussi, moi, qui m'énerve, dans... Bah non mais il est debout. Il est debout. Attends. C'est pourquoi il faut cueillir des putains de fleurs pour se faire des soins, c'est chiant. Pourquoi juste un tissu ça ne suffit pas pour se faire des bandages? Pourquoi il faut des coquelicots? Attends, venez, faut les emmener dehors. Bon, vous savez que les médicaments sont faits à base de plantes, mon cher funéral. Oui mais un bandage. Oh y'a bombe de... Ils auraient pu faire un truc un peu sommaire, mais qui soigne bien, tu vois. L'éclatage de gueule. Ouais, ça c'est bien, ça par contre. J'ai l'impression de voir Halo 1 quand tu mets des coups de corps à corps sur les coffres. Après combien de coups? Ouais, voilà, moi, pourquoi y a pas des bandages qui sont un peu plus simples? Mais Fufu, restons positifs. Parce que les gens vont croire qu'on lance le jeu avec du dégoût. Ce qui n'est pas vrai. Non. Quand même bien content de continuer l'histoire. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait... Et Akon, où est-il? Convict Music. Oh là là. De toute façon, quand on est critique, c'est qu'on avait des hautes attentes pour le jeu et qu'on a une déception. C'est comme moi avec Assassin's Creed. Genre, moi, je suis hyper méchant avec Assassin's Creed. C'est parce que j'adore la licence et je suis au regret de... Ils font la queue pour me baiser. Ah, est-ce que je peux prendre un ticket? Ça m'a excité. Ah oui, j'ai exactement ce que vous attendez. Reculez. Alors, normalement, faut faire les choses. Et ça va pas les tuer, tu vois. Je mets un coup chargé, t'as même pas la sensation d'avoir mis un coup chargé, frère. Bon, j'ai la sensation parce qu'on peut pas désactiver les gâchettes adaptatives, mais oui. Je vois ce que tu veux dire. Mais genre, tu sais, ils reculent pas en faisant tomber les autres zombies et tout, y'a pas de ça.
genre ça pareil. Attends, peut-être qu'on peut depuis, hein. Mais on peut pas. Mais au début, on peut pas désactiver les gâchettes adaptatives. Attends, mais ça s'arrête pas. Moi j'ai mal au doigt à force de charger. Ouais, des je te jure. C'est vrai que les gâchettes adaptatives, c'est cool. Bah en fait, c'est une bonne idée sur un jeu de shoot. Mais là, c'est trop chiant. Parce que j'ai mal au doigt à spammer la gâchette pour taper en boucle. Oh, attends, je vais mourir. Faut que je prenne un inhalateur. C'est bon. Oh, mais non, t'es large. J'ai inhalé. Ah non, il me restait une minute. Bah t'es large, une minute. Pourquoi frère. Pourquoi il est debout sur la table lui? Pourquoi il dort pas? Derrière toi. Non, vas-y, fais-les. Moi je l'ai fait E pendant que je peux briser. Pourquoi ça fait pas comme Dead Space là? On lui coupe les jambes et il rampe. Bon, il rampe, mais après 4 coups. Hop, j'ai plus d'endurance. Pourquoi ils font tous de se réveiller, gros? Écoute, c'est juste. Mais ils viennent tous de se réveiller, t'as fait du bruit? Mais non! Je ne comprends pas, monsieur B-Boy. Ils entendent mieux que nous ou quoi? Je sais pas, c'est des chauves-souris, on sait pas. Dis-moi que t'as de la molotov parce que je vais briller. Non, j'ai plus rien. Et il y a les nouveaux zombies là qui s'amusent à sauter là. J'ai pu. L'arme elle disparaît quand elle est morte. Oui. Ah là on a enfin. Oh. Oh, ils sont trop vifs eux, hein. Je me casse. Attends, frère. Attends, il faut qu'on utilise ça là. Fais gaffe, il y a le mec qui te court après. Oh c'est lui le vif. Hop. Tiens, prends ça, attends. Bzz, bzz. Prends de l'UV. Ok. Tu refais des molotovs, gros? Je peux plus en faire, j'ai pas de. C'est craft. Oh, regarde tout ce qu'il y a. On est mort. Comment ça t'as pas de craft? Bref, sur tous les molotovs, ils avaient déjà grillé dans le truc d'avant là. Moi, je sors mon katana, rien à péter maintenant. Ouais, pareil, hein. Mon katana, tu sais qu'il est bien toujours là, mon katana légendaire là. J'ai buté. Attends, j'ai plus d'endurance. Mais gros, ils font la queue leu leu, y'a rien de cohérent. Vous le voyez bien là, les viewers. Mais, oh, ils font la queue leu leu sur mes couilles, ouais. Oh, 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 oh. Je fais la queue leu leu. Attendez, monsieur B-Boy, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Pourquoi? Je vais voir s'ils ont enfin enlevé. Mais qui gueule là, comme un dégénéré. Non mais t'entends? Oui, je vois. J'entends. Oui. Il y en a un qui est en train d'accoucher ou quoi? Vidéo... Commande. Oh, on peut les désactiver! Zéro. Oh oui. Ok, attends, parce que j'ai un orgue là, on est d'accord. Hein. Non, moi j'ai pas d'orgue. On peut désactiver les gâchettes adaptatives, monsieur B-Boy. Qui c'est qui gueule? Ils ont quoi? Mais regarde, on dirait des... C'est bugué! Moi j'entends rien. Oh non, c'est horrible, je vais pas tenir longtemps. J'ai un bug gros, insupportable. Oh mec. Un bug sonore? Ouais. Attends, attends, tu fais. Ah, de la résine, on va pouvoir faire des dingues. C'est de la musique, moi j'entends. Ah non, non, je. J'entends. Ah, j'entends. Tu les entends là. Là j'entends. Mais y a des pas zombies qui crient pour rien? Ouais. Ah, ils oh sont là. Derrière là, ils sont là. Tiens, viens, il est là. Allez, une amélioration. Tu vois, ils sont derrière, ils sont à gauche là. Attends, viens, on prend ça. Ils sont là en fait. C'est bizarre, je les entends ici. Ouais, toi aussi. Ouais, il est bug. Ouais, c'est bon, j'entends. Là, ici, là. Ah, mais attends, t'as pas pris le truc. Tu fuis, y'a de quoi faire. V'là les molotovs, hein. Y'a de la résine à gogo, hein. Ouais, là, c'est en train de casser les cailloux, là. Oh. Je sais pas quoi ça sert encore, les cailloux. C'est vraiment hyper angoissant, les cris, là, zombies, hein. Ah, ouais, mais je les entends partout où je vais, là. Oh, terrible. Ok, molotov. Vas-y, hein, en vrai, j'en fais 6, hein, bah les couilles. Hein. Oh, pareil, je ramasse tout pour pouvoir en faire aussi. Oh, la résine. Oh là là, mais fermez vos gueules. Oh, c'est qui, c'est lequel le zombie, là, avec sa gueule, là? Il est mort. Allez, dégage. Hop. C'est pas vrai. Oh, mais quel plaisir. Tu peux régler la force de la gâchette adaptative, tu veux la mettre moins forte. Genre même plus la mettre du tout. Pas bonheur pour les doigts. Yahoo! Je suis là, je vous protège! Putain, je fais pas de dégâts, putain mais quel reste. Attends, je les UV! Salaud! Prenez UV! Ah bah je peux pas faire mon coup, je me fais choper. Ok, mort.
Putain, je vais die. Faut que je me heal. Mes dégâts sont proches de 0. C'est qui gueule, gros? Non, mais c'est un zombie buggé. Je l'entends ici, mais il y en a rien, quoi. Ah, ouais, on est d'accord. On est... Ouais, t'entends le même. Oui. Oh, putain, mais... Et là, allez nous dire qu'on fait preuve de mauvaise foi. Ah là, par contre, là... Ok, personne n'a un problème. Il est quelle heure, là, par contre? Parce que dernier étage... Bon, en gros, ça fait... Quoi? Il est quelle heure? Je vois pas l'heure. J'ai pas l'heure qui est affichée. Sur le jeu? Bah ouais, non. Vas-y, ouvre. J'utilise mes triceps. Hop, moi j'ouvre tout. Dernier étage, mon fufu. Ah bon? Et par les molotov, ouais. Attends, moi je mets ma santé maintenant, hein, bas les couilles. Hein. Go santé. Hein. Ouais, ouais. Ça y est, go santé, oui, c'est fait. Ah, et ça recharge en plus. Non mais je l'entends encore, hein. C'est bugué, hein. On l'entendra jusqu'à ce qu'on soit... Ouais, c'est... Non mais c'est ça. Tu vois le zombie tout là-haut, là? Alors, attendez. La hurleuse, là. Faut tuer le hurleur. Faut qu'on saute dessus. Bon, j'ai pu faire un mollo. Faut qu'on saute dessus. Attends, je peux l'attirer, si tu veux. Avec quoi? Non, viens, regarde. T'es prêt? Regarde, attends, je l'attire. Faut que tu m'aides, hein. Ouais, tu l'as. Vise le hurleur, hein. Oh non, putain. Allumez. Oh putain. Oh, ils sont vraiment beaucoup, hein. Allumez. Oh la vache. Alors ça, par contre, c'est beau. Ça, regarde. Quoi? Bah, tout ce feu, tous les zombies, là. Ah ouais, bah, s'ils pouvaient juste mourir, par contre, au lieu de se jeter sur nous. Oh, bon, mais quel connard, putain. Il est en carton. Et hey, voir grandir la femme d'un mon dieu. Okay. Moi, je m'en fous, je joue avec leurs couilles. Hein. Hop, on va chercher ça pour la même occasion. Ah ouais, rien à péter, hein, c'est beau. Hein. Ok, donc c'est à gauche. Ça fait que des coups chargés, j'ai l'impression que je charge rien. Là. Tiens, viens, j'ai ouvert ici la zone chimique. Ok. Oh, des vêtements bleus, les gars. Qui veut des vêtements bleus, frérot? À votre âge. J'ai eu un brassard. Tiens, t'oublies la pierre à chaque fois. Ouais, c'est la pierre de l'édifice. Y a un zombie qui me saute dessus. Ok. Ah, c'est bon, j'ai plus le bug. Tiens, ouvre ça où je suis là. C'est du intermédiaire, ça va. Je vois pas où tu es. Derrière la porte, la porte. Là où je suis là. Ouais. Et ben voilà. C'est fait. Ok, c'est bizarre. C'est ouvert. Bien joué, Fufu. C'est bizarre. Oula, il est 8h04. Non, du mat? Ouais. Et ça va, on est au dernier étage. Et ben voilà. Hop, regarde, on se glisse là-dedans, on est safe. Et t'as bien pris derrière le stuff et tout? Le stuff, oui. Parfait. Il nous a fallu littéralement une nuit entière. Mais 35 bon, minutes et... Voilà, l'important c'est que ce soit fait. Ok. Bon, Fufu, je vais checker un peu mon inventaire, n'est-ce pas? Moi aussi. Nul. Ok, tout est nul pour l'instant, c'est un bonheur. On va mettre ça. Ça, c'est pas mal. Ah, y a un petit swag là. Ça, c'est pas mal aussi. Il se demande comment ça se profiler. Et en chaussures, on n'a pas de niveau 5 pour l'instant. Moi, j'en ai pas, non. D'accord. À part que j'ai une horrible casquette. Bon et tout. Ok. Pareil, hein. Et leur système de. Je ressemble à Aiden ou Watch Dogs. Et est-ce que vraiment leur système de craft, ça donne envie d'aller chercher les trucs les plus rares? Non. Spoil alert, non. Non, mais en vrai. Non, mais non. Non, mais. Et de toute façon, surtout, est-ce que je vais me faire chier à crafter une arme alors qu'elle va se destroy? Bah oui, et puis t'as des bottes de niveau 4, bah let's go, c'est nul. Attends, moi je voulais qu'on fasse le château d'eau.
Il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Oh, dommage, on l'a pas vu. Allez, on s'en va. Surtout, moi, il y a un truc que j'ai du mal un peu à piger, c'est que t'as du stuff qui fait genre tank, heal et tout, mais... Ouais. Bah, j'ai mon stuff de tank est moins bon que mon stuff de heal, alors qu'ils sont tous les deux... Bah, du même niveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois totalement ce que... Techniquement, le stuff de tank, il devrait avoir, je sais pas, des trucs de résistance et tout, bah même pas. Genre, il est moins bon en tout point que mon stuff de heal, alors que c'est exactement la même chose, le même skin, la même couleur, la même rareté. Oui, 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 bah parce qu'il a d'autres petites particularités, mais c'est pas comme un jeu de farming où tu vas, bah comme un MMO ou un RPG tout court, ou un Elden Ring et tout, tu vas pas... T'es pas prêt à sacrifier des heures pour essayer d'avoir le stuff, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ou la ligne va tout changer, tu t'en bats les couilles en vrai, tu vois. C'est pour ça, c'est dommage le côté de la TRPG, je trouve que c'est trop light. C'est pas assez poussé, c'est la base quoi. Grâce à ça, fufu. 500 heures. 500 heures. Bah non, mais tu rigoles, mais c'est vrai, c'est grâce à ça. Ok, alors. Attends. On va essayer d'aller au château d'eau, les gars. Et dès les prochains épisodes, on prendra notre quête secondaire. Comment on rentre là-dedans? Ok, j'ai. Tiens, viens, Bibiche. T'as quelle quête secondaire au château d'eau? Ouais, c'est château d'eau. C'est un truc qu'on va pouvoir délivrer, là, tu sais. Ah oui, oui, oui. Ok, je suis dedans. Je suis derrière toi. Les gars, mettez en marche le château d'eau. Donc là, je suppose qu'il faut monter. Bah, il faut un moulin. Faut une manivelle. Non, faut monter quoi. Ouais, le classique. Le classique escalade. Est-ce que tu vois où c'est? Non, là, je suis actuellement en train de. Bah, alors what? Non, je pense pas. T'as réussi à grimper ici parce qu'on a la capacité de grimper, mais techniquement, on devrait pouvoir grimper. Faut chercher quelque chose de jaune. Là, il y a une tyrolienne. Ok, je pense avoir quelque chose. Tu le vois là? Tu vois quelque chose, toi? Non, au final, non, c'est de la merde. Nickel, Fufu. Parfait. Là, dès que j'aurai un autre commentaire nul, je te ferai part. Ouais, hésite pas. À partager. Attends, là, on va aller là. J'ai pas, hein. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas genre une tour annexe. Attends, parce qu'on est con, mais mec, tu sais que nous, le problème, on veut aller trop vite. Est-ce qu'il... Voilà. C'est bien ce que je pensais. On peut juste rentrer dans une porte? Voilà. Ah oui, hein. Attends, vas-y, UV. Brûle. T'as un molotov plutôt? Ah non, là, j'ai pas de quoi parce que j'ai pas de pissenlit. On fait le coup de la porte? On les attend, ils bougent la porte, tu les tabasses. Vas-y, attends, on va dire. Il me chope. Ah bah. Il me chope alors que je suis en train de faire mon Garen là. Et je peux rien faire pour toi. Oh putain, j'ai. Hop, attends. Ok. Alors. J'ai plus de soins. Attends, bouge pas. Bouge pas. Hop. Mais c'est du soleil, enculé! Pourquoi tu cours? Ok. Ils sont pas censés être ralentis par les rayons du soleil? Ah, quand même! Bande de vampires! Salaud! Mourez! Craignez la lumière du divin. Ça s'arrête pas, quoi. Hein? Hein? Ça ne s'arrête pas, hein? Non. Quand j'ai plus d'endurance, je dois recharger. Votre arme est presque détruite, cherchez-en une autre! Ah, toi aussi? En cas de légendaire, il aura pas fait 5 épisodes, quoi. Il en aura même pas fait un pour moi. Je l'ai cramé là. Je vais faire la technique de... je vais crafter un truc dessus. Mais faut un établi, non? Ok. Bon, bah voilà. On s'est bien fait casser la gueule pour... Oh non, crochette, je vais vriller. J'en ai marre. Où ça? Là. Alors attends, fufu, parce que là on rigole. Mais on voit pas le fond du bol. Le fond du bol, exactement. Ok. 41 de dommages, ça sera pas mal. On est bon? Ouais. Bon, faut aller fouiller les zombies, t'oublie pas. Un pantalon de jogging épais. Oh, ration de combat.
Eh ben... On va déjà pouvoir s'arrêter là pour cet épisode 30, mon foufou. T'as fouillé tous les zombies? J'ai fouillé quasiment tous les zombies. Il y a des pièces, il y a des trophées infectés... Tu vois, ça c'est une capacité qui aurait été sympa, c'est auto-loop directement dès que vous tuez, tu vois. Tu te repeux... Ah, j'ai déjà dit. Bah oui. Ouais, tellement de fois. Allez les gars, on vous fait des bisous, n'oubliez pas de jamais le commentaire et on vous dit oui à bientôt pour la suite de notre aventure avec l'épisode, évidemment, 31. Bisous tout le monde, bye. Non, là c'est 30 là. Non mais, la prochaine fois. Oui, c'est vrai qu'après 30, c'est 31. Bah oui. Allez, bye.